officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Et voici nos perles de la rue. Voilà, c'est Yumi. C'est nous. Ah, là, comment il s'appelle Yumi. Il a quel âge? Yumi, il a 6 ans. Yumi. Ah ouais. Bientôt. Mais il chante depuis quand? Il chante depuis qu'il a un an, en fait. Ça fait 5 ans qu'il chante. Ah. Elle fait 300 concerts. C'est tous les jours parce qu'il joue dans la rue. Ouais. Ça fait 2 ans, on est tout. On fait plus de concerts. On fait tout que jouer dehors. Dehors. Mais oui, parce que ça donne des sourires et tout ça. Les gens, ils sont contents. Spontanément, ils viennent. Ils donnent même des sous. Ouais. Moi, je suis pas de la voix. Et c'est où vous jouez souvent? On joue ici, on joue sur le Pont des Arts, dans Paris, on joue dans plein d'endroits quoi. Sinon on joue partout, en France, on se déplace, on fait tous les festivals. Et on fait ici, mais c'est difficile de jouer ici, le problème c'est ça, c'est la police, c'est tout ça. Nous on joue 10 minutes, un quart d'heure, après on s'en va. On fait, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Notre-Dame un peu, et tous les événements, tu sais qu'il y a des gros concerts. D'accord. Et le métro. Ah, ok. On est une fois par jour, on passe à la République, à l'échangeur de la 11 dans le métro. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Ces deux petits bonhommes en post-scriptum nous prenaient pour des pommes. Ce qui nous confie, c'est qu'en consommant leur village ultimateur. Non, 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 mais tu vois ce qui te vient dans ma nature humaine. Merci, monsieur. C'est tout banal, aucun poids pas mauvais. C'est tout banal qui n'aime plus les hommes. Solo doudou. Qui aboie très fort. Qui aboie très fort. Et maintenant, l'artisan saxophoniste Roberto. What's your name? My name Roberto. You're from where? From Chile. Chile. Okay. Thank you. Salud. Ha ha ha!
Okay, now I won't take you with this one. With this one? Yeah. Oh, pas cher, pas cher. Passer là maintenant. Ouais, ah, c'est comment ça s'appelle le nom du groupe? Fanny Sosa. Fanny Sosa? Ouais. Bon. Yes. Oh,
mamacita, mi chinche, mi chivelis. Es una calorada, menos vagabundo. Tengo mi razón de ser, me quiero de un acano. La cucharita, una dama juana, una fan de sexo opuesto, una fan de uno mismo, una fan de sexo mismo, una fan de la cultura de mí, aleluya, el tres marín, el tres marín. It's always a pleasure to be here in the Gojo TV studios. I can't tell you what it means to me to be back here once more. And this goes out to you all. Suffocating baby, Lord knows I need some air. One of these days I'll just go crazy. And you're gonna have to come visit me in jail. I do believe I'm dying. So tired of trying that I don't even care. I'm sick and tired of trying that I don't even care. But one way is just as good as another, baby. Just as long as I get out of here. Give me $25. I'm gonna go out and buy me a gun. If I can give me up just $25, the place right around the corner, I can go and pick me up a gun. Gonna hijack me a greyhound and take it just as far as I can run, all the way to the showdown. Thank you.
suffocating, baby. Lord knows I need some air. One of these days I'll just go crazy, and you're gonna have to come visit me in jail or at the morgue. And neither one of those is a place for you, man. C'est comme le gars qui va à l'armée de l'air et puis l'autre il lui demande comment vous vous appelez. Ben, je m'appelle Glock, vous ne payez pas à appeler. Bah oui, ben, j'ai deux zéros qui lui Bienvenue dans Enquête Parallèle. Aujourd'hui, je rencontre l'international chanteur colombien Vanny Jordan qui nous parle de Che Guevara. On l'écoute. Akizoa, on a West TV. At first, you know. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde soy de tu bravura. Me puso cerco a la muerte, y a ti se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Comme je vois que tu chantes Che Guevara, alors qu'est-ce qu'il représente pour toi? Che Guevara, bah écoute, pour nous latinos, c'est un personnage très important qui a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire parce que, à cause de ses idées, à cause de son combat, il avait un idéal de révolution, c'est-à-dire un idéal qui nous amenait dans un monde meilleur, plus juste, plus prospère. Un monde avec plus d'amour, tout ça. Et donc, pour nous, c'est très important. C'est un personnage historique. Ouais. C'est l'idée, justement, d'un avenir meilleur. C'est l'idée aussi de l'égalité pour tous les peuples du monde, non pas seulement d'Amérique latine, mais aussi les pays d'Afrique, la Jamaïque, les Antilles, la France aussi. Donc, pour nous, c'est très important. J'ai fait une adaptation de cette chanson qui s'appelle Hasta Siempre. C'est une chanson d'un auteur cubain qui s'appelle Carlos Puebla. Et donc, moi, je l'ai adapté à ma façon en mélangeant la musique traditionnelle et la musique moderne. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un message. Moi, j'ai apporté mon message et j'ai apporté ma touche underground, salsa, reggaeton, rap, un peu tout ça, quoi. Okay. Voilà, et donc, Che Guevara, il est vénéré dans beaucoup de pop. Moi, je suis allé en Algérie chanter là-bas et. Il est connu partout. Et voilà, il est connu partout. Il est allé en Algérie, c'était le premier pays africain qu'il avait fait. Et partout où j'allais, on me demandait de chanter la chanson de Che Guevara. Et donc, moi, c'est avec un grand plaisir que je l'ai fait. Et donc, c'est à partir de là aussi que j'ai composé la nouvelle chanson Hasta Siempre qui parle de Che Guevara. Yes. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un message particulier à lancer, toi, maintenant, par rapport à la jeunesse de Colombie, de l'Amérique latine, partout dans le monde, en tant que chanteur? Oui, bien sûr, tu sais, quand on est artiste, on essaie toujours d'exprimer un message d'amour, un message de paix, un message de solidarité, d'égalité, quoi, un message de bonne vibes, parce que c'est ça ce qu'il faut, quoi. Tu vois, ici à Paris, bon, parfois les gens sont dans la grisaille, donc les bonnes vibes, c'est un trésor.
Et donc, le message, voilà, c'est un message de ne pas rester immobilisé par Babylone. Donc, donc voilà, lutter, lutter justement avec la culture, avec la musique, faire des endroits culturels de rencontre où justement on peut échanger nos talents, notre musique, nos cultures, nos couleurs, nos fusions, les mélanger ensemble et donc passer un bon moment et puis aller de l'avant. Ok. Et comment est-ce que tu vois la jeunesse colombienne ou bien sud-américaine ici en Europe, sinon? La jeunesse sud-américaine, bah écoute, la jeunesse sud-américaine, elle commence à devenir de plus en plus grande, elle commence à grandir. Il y a pas mal de Colombiens, pas mal de Vénézuéliens, de Péruviens, d'Équatoriens, de toute l'Amérique, de Brésiliens aussi, de toute l'Amérique latine qui viennent ici, bon, en essayant d'avoir un monde plus prospère. On essaie de comment on dit, l'immigration un petit peu économique. Mais donc, on vient chercher des choses qui sont dures finalement. Elles sont dures, les choses. Elles ne sont pas aussi faciles qu'on le pense au départ. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, ils pensent que l'argent, ça tombe du ciel, tout ça. Et bon, c'est un peu la crise. Mais bon, c'est pas grave. On va de l'avant. Les Latinos, ils vont de l'avant. On essaie de s'intégrer. Et justement, avec de la bonne musique, d'aller de l'avant et de mettre vraiment la patate, d'avoir des succès et puis aider nos frères qui sont là-bas et tout ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Akfos. À la prochaine. Voilà. J'espère qu'on va se voir bientôt et qu'on va faire une tournée ensemble dans le monde. Yeah. Voilà. Yes, I. Okay. I am nice. Merci beaucoup. Ciao, ciao. L'incroyable transparencia de tu querida presencia no matará. Play Playfun in Head Programa Van Gogh TV. Tot so!
merci à tothom per haver vingut a aquest gran concert. I merci als que ens han convidat a venir també. La faille. Oh, je m'ennuie, ça fait plus de 2 ans, j'entends plus parler de violence, de guerre, tout ça, je m'ennuie. Mais si tu t'ennuies, il faut faire de la musique, il faut faire du volleyball, il faut faire du vélo, il faut courir, il faut danser, chanter. Il n'y a pas que la guerre sur le web. Oui, mais je suis habitué maintenant aux guerres, tu vois. Donc, quand ça bouge pas de partout, j'ai peur. Oui, mais t'inquiète. Quand tu confies ton argent à un voleur, tu sais que tu es en sécurité, hein. Hein, de toute façon, moi, j'aime pas les guerres, donc c'est clair, hein, je ne m'ennuie pas du tout. Bah oui, mais ça, on te connaît, toi, t'aimes pas les guerres, c'est pour ça que tu es à la rue, hein. À la rue. Ben oui, mais à ce sujet, il faut que je pose une question à son impériale majesté, excuse-moi. Ok, après toi. Son impériale majesté, À ma qualité de représentant de la cour royale, du premier W des 3 W du web, j'ai l'honneur de vous apprendre que son impériale majesté est en déplacement sur le 3e W des 3 W du web. Merci de votre compréhension. À bientôt. Hey, tu as entendu ça? Il est sur le 3e W du web. Oh, j'ai encore raté l'audience. Zut. Moi, je le savais, hein, toutes les 59 secondes, ils annoncent que ça, hein, sur Gojo TV, hein, le déplacement de son impériale majesté sur le 3e W du web, ça, tout le monde le sait, hein, je sais pas d'où tu sors. Ah oui, j'avoue que ces temps-ci, j'étais vraiment branché sur des histoires des guerres, pas possible, famine et tout ça. Ouais, j'étais ailleurs. Ah oui? Des histoires des guerres? Tu as de la chance, toi. Ils ont tué des gens. Ah, ça, c'est super, ça. Et maintenant, notre mini-festival reggae. No more confusion.
your more starvation. No, 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 no more exploitation. Yahweh and the Mahajan Show. Yeah, man. Alors, cet album. Ben, enfin, il est là. Ouais. Le maxi single vient d'arriver. Ouais. Il est en proposition. L'artiste au public directement. Yes. Donc, très bien. Ok. Voilà. Alors, bon, on te suit alors. Hein? Ben, je suis d'abord ravi de savoir que tu es là. Bah. Parce qu'on en avait parlé, donc tu es là. Bon, déjà, je suis c'est un blessing, you know. Okay. Donc, on est là, on joue le spectacle. Okay. Et puis après, voilà, on verra bien ce que c'est la vie de réserve, quoi, you know. Okay. Mais c'est que c'est le brand new day, le nouveau jour, le nouveau l'air. Yeah. Hein, pour le continent ensoleillé, pour Kémita et pour les Okay. Pour l'univers, pour le monde même d'ailleurs. Il faut un changement énorme. Voilà. Tout ce que tu as à dire, le micro ouvert pour Gojo TV. Alors vas-y. Bless, we love Gojo TV. Yeah. Bless. Bless. Thanks. It's a brand new day for you and I coming today.
had the wings of a dove, if I had the wings of a dove, I would fly, fly away. If I had the wings of a dove, if I had the wings of a dove, I would fly, fly away, fly away, fly away, fly away. Since I have no wings, since I have no wings, since I have no wings, I cannot fly, fly, fly. Since I have no wings, since I have no wings, since I have no wings, I'm gonna sing, sing, sing. If I have no wings, if I have the wings of a dove, I will fly, fly away, fly away. Yeah.